Mais comment ça, tu sais pas? Mais la vie est amour! La vie est amour? Mais oui, la vie est amour! Mais comment ça? Mais bien sûr qu'on a des peurs, bien sûr qu'il y a l'amour qui est là, et en fait, on choisit toujours entre les deux. Soit c'est de l'amour, soit on choisit par peur, mais en fait, en gros, c'est les deux seuls choix. Si tu regardes bien, non mais si tu regardes bien, tu vas te rendre compte qu'il y a deux choix, l'amour ou la peur. Et là, tu choisis. Pourquoi on s'embarque dans la peur? Non mais franchement, pourquoi on choisit le chemin de la peur? Peur, genre tu flippes, tu flippes, tu flippes, tu flippes, et plus tu flippes, plus tu prends des décisions flippantes, et au final, tu te retrouves dans un grand flip. Non, une espèce de trou noir, franchement, c'est la dépression, c'est le chaos total, il n'y a plus rien qui avance, c'est la déprime, ça piétine. Voilà. Non, mais attends, moi j'ai une petite question, parce que jusqu'à quel moment il va falloir souffrir? Combien de souffrances il faut pour se rendre compte que c'est peut-être pas le bon chemin qu'on a pris? Voilà, franchement. Tu crois qu'il faut continuer à agir dans la peur? Qu'il va falloir continuer à choisir un certain boulot parce que sinon, tu vas pas avoir assez d'argent pour payer tes factures? Franchement, est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon moyen de fonctionner dans la vie? Je suis pas sûre. Non, je suis pas sûre. Moi, je suis pas sûre parce qu'il y a un autre chemin. Alors, tu vas me dire, mais Lilou, comment tu passes de ce chemin de la peur au chemin de l'amour? Ça me paraît bien le bisounours, ton truc. Eh ben, ça demande vachement de courage, en fait. Parce que ça demande vachement d'efforts et surtout de sortir de sa zone de confort pour passer de la peur à l'amour. Alors tu vas me dire, bah ouais, mais forcément qu'on a envie de vivre le chemin de l'amour, dans l'amour, avec l'amour, toujours l'amour, les petites fleurs et tout va bien et tout le bonheur. Eh ben non, ben c'est là où on se trompe en fait. Ouais. Non, c'est là où tu te trompes. Parce que le chemin de l'amour, il est pas si évident que ça. Ouais. C'est un peu comme... T'es dans le chemin de la peur. Et là, ah, je prends ce choix-là. Ah non, il faut que je me rassure, mon Dieu, je peux pas. Ah. Et donc là, tu continues. Bien. Et en fait, t'arrêtes pas de prendre tes décisions parce que t'as peur de perdre ton emploi, t'as peur de perdre ton petit ami, t'as peur de prendre la mauvaise décision qui va contrarier tes parents, et t'as peur, et t'as peur, et t'as peur, et t'as peur, et tu réagis en fonction de tes peurs. Alors des fois, tu te sens bien. Voilà, t'as cette espèce de petite zone de confort. Et puis en fait, petit à petit, la boîte, elle est toute petite. Genre le terrain d'action il devient de plus en plus petit. T'as pas remarqué? C'est genre comme ça. Puis alors là à un moment ça devient tellement petit. Ça devient tellement petit que tu peux plus respirer. Et là tu pètes un plomb et tu dis: oh putain, je peux plus vivre cette vie, je me casse. Je me casse, tu dis c'est fini, ça y est, cassos, on se barre. Ça c'est fini. Bon. Ça c'est un scénario, c'est une façon d'agir, t'es d'accord? Alors, c'est sûr que des fois, quand il y a une maladie qui se pointe, un décès, une perte d'emploi, un divorce, financièrement, c'est gros plantage, forcément, tu te poses des questions et là, tu commences à bifurquer. Hein. Ça, c'est des portes, même si ça paraît très dur comme situation, c'est une espèce de porte, en fait, parce qu'il y a des parallèles. Il y a le chemin de la peur et de l'amour qui est un peu comme ça, hein, voire même comme ça, mais là, j'ai du mal avec mes mains. Comme ça, hein. Et là, tu peux... Tu as des espèces de ponts en parallèle. Alors ça, c'est quand même génial. Parce que là, tu peux te dire, mais plus je suis dans la souffrance, en fait, plus je peux accéder directement à l'autre côté, où là, je suis quelque part dans le bonheur. Et tu dis, mais est-ce que c'est possible de passer d'un point de vue complètement négatif et atroce, et la grosse déprime, à un bonheur absolu? Ça, ça se discute. Mais en tous les cas, ces petits ponts, Tu peux, c'est des portes de sortie, c'est des portes de secours en fait. Alors des fois tu vas me dire, t'es dans un état dépressif parce que tu viens de perdre ton mec et ton emploi et l'argent, et dans le coup tu prends des psychotropes. Bon, je sais, et je l'ai rappelé d'ailleurs dans TEDx, que quand même 25% des Français prennent des psychotropes par an. 25% des Français, putain, 25% des Français vont se bouffer des médocs, des antidépresseurs, des somnifères et tout ça, et j'espère que vous en faites pas partie. Et si vous en faites partie, c'est là où tu prends la porte de sortie et tu vas de l'autre côté et tu prends des décisions conscientes. Parce qu'en fait, à un moment, il faut bien dire ce qui est, quand tu es dans la peur, tu vois rien, tu t'en rends pas compte. Tu es un peu comme ça, à faire tes choix et tout, et tu sais même pas que tu es dans ce courant-là. Et à un moment, genre, tu vois cette vidéo, ou à un moment, il y a un truc qui t'arrive, je sais pas, ou tu lis un livre, ou quelqu'un te parle d'un truc, et là, tu vois ta life. Tu te dis, oh, putain, c'est comme ça que j'ai vécu, c'est comme ça que j'ai pris des décisions. Je peux plus, je
peux plus. Mais je commence par quoi? Là, tu te dis, mais je commence par où? Par où ça commence? Et là, tu sais pas trop, en fait. Et c'est là. C'est là le petit moment hyper important. Mais alors là, genre, tu vois, c'est un petit moment comme ça. C'est-à-dire que ça... C'est... Et là, tu vas te dire, dans ce petit moment, à ce moment-là, quand tu as une idée négative ou tu vas refaire un choix dans la peur, encore plus profond dans la peur, là, tu te dis non, ça va pas se passer comme ça. Non, ça va pas se passer comme ça cette fois-ci. Je vais faire un choix dans l'amour. Alors, ça correspond à quoi, faire un choix dans l'amour, quand ces petits moments se passent? Eh bien, tu te dis, je vais trouver une solution. Malilou, je sais pas, je sais que tu as peur, là. Je sais pas comment on va s'en sortir, je sais pas comment tu vas trouver la solution, je sais pas comment ni quoi, mais tu vas la trouver. Ou, Malilou, putain, je sais que cette personne-là, t'as envie de vraiment réagir comme d'habitude et t'as envie de balancer la sauce et de leur dire leurs quatre vérités. Mais là, franchement, t'as pris cette mauvaise décision cette fois-là, et ben, maintenant tu sais que c'est vraiment pas le style de personne que t'as envie dans ta vie, ni de faire avec qui t'as envie de faire des partenariats ou je sais pas quoi. Et puis, bah, la prochaine fois, simplement, tu seras averti, tu vas t'en rendre plus conscient, tu vas en prendre conscience, et puis dans le coup, tu vas pas accepter ce genre de deal ou truc. Je veux dire, ça n'a pas besoin de finir en catastrophe, ça n'a pas besoin de finir en crise, ça n'a pas besoin de finir en procès, ça n'a pas besoin de finir dans la peur ou à se bouffer des médocs ou quoi. On est d'accord. Donc là, tu commences à court-circuiter un peu. Et à chaque fois que tu prends conscience de ces moments-là et à court-circuiter, c'est là que tu commences à aller vers l'amour. Oh. Et c'est petit à petit, en fait, c'est tous ces petits choix pas à pas que tu vas faire dans l'amour. C'est-à-dire que tu vas dire non à quelqu'un, mais un beau non affirmé où tu t'affirmes, où tu t'ancres, où t'es là, tu es bien dans le moment présent et tu sais que tu dois dire non à cette personne-là, mais t'as jamais osé avant. Non. Ou que tu vas puis décider de prendre le même type de job parce que de toute façon tu sais que c'est pas le job qui te va. Peut-être que tu serais bien plus heureux boulanger dans les Ardennes, voilà, à boire ton petit coup le soir dans ta cave plutôt que d'avoir un métier de télémarketing qui te prend la tête. Non, en fait, on a l'impression qu'on va pas avoir assez et tout, mais tout ça c'est des espèces de grosses illusions et grosses illusion en fait, parce que la peur, la plupart du temps, elle est même pas réelle, à part quand on est dans la savane et qu'il y a un espèce de tigre qui nous court après. Là ouais, là faut bien avoir des ch'touilles, tu vois. Mais sinon, concrètement, ça sert pas à grand chose. Alors, ah oui, ça peut être une stimulation et tout, et tu vas me dire l'adrénaline et machin et truc. Ah, mais si tu regardes bien, si t'es vraiment correct avec toi-même et tu te dis, franchement, il pourrait y avoir plus d'amour dans nos vies. Ouais, moi je me demande même si l'amour c'est pas la fabrique de l'univers. Si vraiment l'univers est pas composé d'amour. Ouais. Là il y a des espèces de petits cœurs qui sortent de mes yeux, tu vois. Si j'avais la possibilité de mettre des animations, je mettrais des petits cœurs comme ça là, tu vois, qui volent. Ah, tu peux ajouter des petites soucoupes volantes aussi. Et puis même une espèce d'onde qu'ils envoient sur mon cerveau. Et là, si j'ai la possibilité de faire un montage, j'enlève les petits cœurs, j'enlève les... plus rien, hop. Mais quoi? C'est quoi la vie alors? C'est quoi le but de la vie? Non, parce que si t'as une meilleure réponse, tu peux me la dire. Hein. Tu peux m'envoyer ton truc ou je sais pas, moi, tu trouveras bien le moyen de poser ton petit commentaire ou me dire. Mais franchement, c'est vraiment de faire des enfants, d'aller au boulot, de manger, de regarder la télé, de regarder la même émission le samedi soir, ouais. Mais n'empêche, la vie, elle devient un petit peu chiante au bout d'un moment. Et moi, je crois que quand on commence à se faire confiance, quand on commence à faire des choix dans l'amour, eh ben petit à petit, mine de rien, notre contribution devient une contribution pour le monde, pour la planète, où on est moins à être dans nos peurs de « est-ce que je vais avoir assez pour moi ?» et on est plus dans le « je le fais pour la planète, je le fais parce que ça me fait du bien, je le fais parce que ça me rend heureux, je le fais parce que ça me rend joyeux. » Voilà, c'est ça. C'est ça, la vie. C'est pas se faire chier avec des espèces de mondanité et des conneries sociales à la con. Bon, bah c'était le petit tuyau du jour, voilà, ça déconne, c'est un peu, ça part dans tous les sens, voilà.
J'espère que vous allez bien, mes délicieux co-créateurs, et que vous faites des choix dans l'amour. L'amour, mais qu'est-ce que l'amour? L'amour de soi. Oh, d'accord, je chante pas. Je sais que je sais pas chanter. Allez, gros bisous. Je vous embrasse très très fort de Londres.